Je me sentais un cambrioleur devant un coffre, cherchant à l'oreille et au doigté la bonne combinaison. La première n'a pas été la plus dure. J'attaque au milieu du clavier. Je maintiens la touche en haut, sans qu'elle s'enfonce surtout, tandis que je traque la rainure qui se dérobe. Ça me résiste pas longtemps. Pareil pour les huîtres. Douceur, petit craquement, ouverture, ça saute. Son gamin aime l'orgue étrangement, je le sens bien. Il fait avancer ses capsules sur le bicorne de la table dans la salle à manger. Il a élaboré tout un circuit, il me regarde, il écoute. Elle me parle. Elle joue un air que je connaissais, que je reconnais. Son geste suspendu. J'ai essayé de me souvenir, je restais là vide. Portée. Le couvercle rabattu. Elle a joué ça assez longtemps ce matin. Par moment. C'est ce que me dit son fils. Faut rentrer, elle n'a pas bougé. Elle fait la bise, pas un mot. Le café est servi, elle s'est retournée. Une inclinaison de tête pour dire oui, allez-y, compte convenu. Déshabillez le piano. Déshabillez-le. Faites sauter la cage du passé. Ni rayures ni éclats, j'ai tout posé dans la chambre. La table d'harmonie exhibe ses cordes. La clarté blanche d'hiver que filtre les rideaux de la porte-fenêtre. Je fais glisser les voiles sur les trains. À ma serrée dont j'enroule la traîne sur l'espagnolette.